Étaient grands, blonds et portaient des moustaches et ils tressaient leurs longs cheveux contrairement aux Romains qui portaient des toges et des tuniques. Ils étaient vêtus de pantalons qu'on appelait des braies. Ils vivaient dans des huttes. Ils étaient très heureux de la richesse de leur pays qui excitait la convoitise des envahisseurs, les Romains. Les Romains, où ça? Partout, Tatis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un Romain, en tout cas. Oh, c'est un petit garçon. Tu es en train d'apprendre tes ancêtres, les Gaulois. Eh bien, je te souhaite bon courage. Je te laisse car nous nous préparons pour la bataille contre les Romains. Monsieur! Monsieur! Attendez! Monsieur! De légionnaires qui est en train de manœuvrer sur la falaise. Mais on n'a pas encore fini de déjeuner. Et on attaque à peine l'heure de voilà. C'est la journée continue alors. Non, ne vous occupez pas. Alors, il vient se sanglier. Permission sur mes sandales. Vous en verrez aussi avec moi, voir les lions de tout près. Binôme sur l'épaule. Ceinturie. Hop. Demi-tour à droite. Droite. À la mort. Hache. Hop. Mais c'est la décadence ou quoi? Et la grandeur de Rome, qu'est-ce que vous en faites? Je vous ai resté le poil, moi. Binôme sur l'épaule. Ceinturie. Hop. Demi-tour à droite. Droite. À la mort. H. Hop. D. Hop. D. Hop. D. Hop. D. Hop. D. Sur l'épaule, ceinturie. Ah bah dis donc.
Onyx pagaille, dans l'ordre et la discipline. Bilhomme sur l'épaule. What? À la mort. H-O-K. Nous allons livrer bataille pour la grandeur de Rome. H-O-K. Les Romains, ils vont livrer bataille. Bon, eh bien, puisqu'on ne peut plus manger tranquillement, on y va. Addition. Laisse, c'est pour moi. Mais non, vous êtes mes invités. Pas question, c'est pour moi. Non, laisse, je te dis, c'est pour moi. Addition. J'insiste. J'ai dit que c'était pour moi. Mais non. Quand je dis que c'est pour moi, c'est pour moi. Et moi, quand je dis que c'est pour moi, c'est pour moi. Voilà pour toi. Ah. Jamais de la vie. C'est pour moi. Rude combattant, mais affaiblis par leurs luttes intestines, nos ancêtres les Gaulois doivent bientôt déposer leurs armes au pied de l'envahisseur. Pax Romana, la paix romaine, fait défiler sur le sol de la Gaule le piétinement lourd des légions en marche. Encore là, toi ? T'avais pas de leçon à apprendre, hein ? Je prends. Alors, elle est finie, la guerre ? Ah, finie. Oui, bien sûr. Mais de temps en temps, on rigole encore avec les Romains. Pas vrai, Obélix ? Oh, ils sont fous, ces Romains. Ils ont beau se pavaner chez nous, ils sont pas à l'abri des coups de catapulte. Menu touristique, 1500 sesterces. Oh, en roc burgonde, 50 sesterces de supplément. Saucisson arverne, 20 sesterces de supplément. Oh, bouillabaisse de Massilia. Bix d'Homard. Oh, ben dis donc, c'est pas donné, hein. C'est le vrai coup de catapulte. Alors, on s'en va? Ah non, on a franchi le Rubicon, alors. Allez à Jacques Taïs. Oh, c'est pas de toi, ça. C'est de César. Alors, j'y suis, j'y reste. Oh, attends, ça, c'est de... C'est de qui, ça? Ah, de... La cherche pas, hein. Pour essayer de se faire servir. Ouais. Patron! Une timbale, Mediolanumez. Oui, patron. Patron, une entrecôte burdigalaise. Et une entrecôte burdigalaise. Oui, patron. Patron! Et une demi-portion de purée. Ça marche. J'ai dit une demi-portion de purée. Hé, patron! Et un cassoulet de lozin. C'est comme si c'était fait. Et un confit de bois du Capitole, hein? Oui, patron. Hey! Patron, hé! Hey, patron! Oui, voilà, je suis pas sourd. Alors, vous êtes deux? Toujours. Puisqu'on est ensemble. Ouais, vous avez choisi? Oui. Oui, mais je me laisserais bien tenter par le sanglier sauce barbare. Il est bien? Oui, très bien, merci, mais il y en a plus. Oh. Il y a du veau. Oh, bah, va pour le veau. Il n'y a plus qu'une portion, hein. Ah bon, alors moi, je prendrai un saucisson chaud de Luc Dunhomme. Non, il n'y a plus que du poisson. Il est frais? Ah, il est arrivé ce matin en char à bœuf, de Massilia. Avec ça, une demi-amphore de rosée. Non, pas de demi. Alors, une amphore de rosée? Non, pas de rosée, du rouge. Alors, une amphore de rouge? Dites, facilitez pas le service à changer d'avis comme ça tout le temps. Oh, hein? Patron! Le sanglier! Ouais. Excusez-moi, parce que j'ai un banquet d'anciens combattants. Je voudrais prendre un peu l'air. Essaie d'appeler le patron pour l'addition. Patron, l'addition. Ouais, voilà. Alors ça, plaignez-vous au gouvernement, hein. Depuis qu'on nous a supprimé le couvert, moi, je suis obligé de vous faire payer plus cher le veau. Le couvert? On a mangé avec nos doigts. Donc, et... le marbre de l'addition, qui va le payer? Hein?
Et après, il s'étonne qu'on préfère envahir d'autres pays. Monte là-dessus, tu verras le monde est Martyrius. Si tu ne l'as pas vu, c'est que t'es un minus. Le mont Martyrius. Oh, dis donc, Montmartre, la place Blanche. J'aime flâner sur les grands boulevards, le boulevard Marc-Antoine et puis le boulevard Jules César. On rencontre des tas de gens bizarres, et là on suit le guide, mais pour le gui, on suit le druide. Puis on retrouve son petit atelier, d'où les menhirs sont livrés partout dans le monde entier. Et l'on mange du sanglier, on boit de l'hydromel, à la vie est belle, en regardant le ciel. Des grands boulevards. Oh, dis donc, les grands boulevards. Poissons et fleurs, montagnes de primeurs, nous voici donc au cœur des Halles. Bistros et bouges où l'on se tape le coude rouge, ça bouffe, ça boit, ça bouge, les Halles. Saucisses de Tolosa et quenelles de Nantua. Bouillabaisse de Massilia et bon vin de Burdigala. Gros Visigoths, tous des gars de 100 kilos, pas de place pour les palos, oh Halle. Nini Zizi, trottant sous les Lazzi, c'est toute la poésie des Halles. Les Halles en construction, le ventre de lutte. Un gamin de Lutèce disait hier encore, si je pars en vitesse, sachez qu'à l'aurore, j'aurais mis Lutèce en amphore. Eh ben, tu te prends pour bénir, eh. Si tu lâches pas ton cheval, je vais te piquer un bœuf, ouais. Alors, t'as eu ton permis à l'école des gladiateurs et berbères. Il y avait déjà des embouteillages du temps de nos ancêtres les Gaulois. Des quoi? Des embouteillages. Ah, tu veux dire des amphorissages? Bien sûr. C'est que les routes ne sont plus suffisantes pour la circulation attique. Mais les Romains promettent de les élargir. Oui, oh, ils sont fous, ces Romains. Un petit four? Non, Nini. Dis donc, acheter un char, c'est bien joli, mais c'est pas facile de conduire en Gaule. Il suffit de réviser son code de la route. J'ai ce qu'il faut, tu vas voir. Vite. Ça. Qu'est-ce que c'est, je vous prie? Oh, c'est facile. Esclave au travail. Oui, esclave au travail. Bravo, bravo. Et ça dit? Oh, bah, défense de doublé. Oui, défense de doublé. Très bien, très bien. Tiens, ça, qu'est-ce que c'est, ça? Oh, ça, je le savais. Attention, dalle glissante. Dalle glissante. C'est bon, c'est chouette, ça. Et il a 10 en chiffres romains. C'est joli. Qu'est-ce que c'est, ça? Non, oh, passage de sanglier. Ça, c'était facile. Dites un peu, là. Ça n'existe pas, ça. C'est un piège. Ah, ça va bien. Faut faire attention, hein. Il y a des pièges. Tiens-le sur l'épaule, centurie. Et ça, qu'est-ce que c'est? Allumez vos lanternes. Oui, allumez les petites lanternes. Très bien. C'est fort bon. C'est tout nouveau, ça. Ah, oui, oui, oui. Fluctuat nec mergitur. Attention, hein, tu sais, hein, j'aurais pu te couler, là. Tiens, le dernier. Stop. Et en l'autre sens? Pots. Stop, pots, à l'envers. Stop, pots.
Hein? C'est rigolo. C'est rigolo, ça. Hé! Hey. C'est quoi, ça? Le discobol. Un grec. Ah, quelle horreur! Ben, c'est bien. Oh là, là, hé! Hey. Hé! Hey. Dodane. Ah, Dodane. Tiens, tu y es reçu. Tiens. Cassis. Oh non, non, non. Santé, sobriété. Ah, ave, ave, les amis. Eh ben, si vous cherchez un bon cher pancher, vous êtes bien tombé. En effet, nous avions envisagé... Nous avions envisagé la possibilité éventuelle de l'achat d'un char. Non, voyez-vous... Oui, oui, un char à bœuf. Ah, oui. Ça, vous avez raison, c'est un véhicule sûr, ça. Et alors, vous savez, je vais vous dire un truc pour ce qui est de la tenue de route, hein. Oui. Ah, vous louperez aucun virage, alors. Eh bien, vous savez, vous avez de la chance, j'en ai un, mais alors, vraiment meumeux, hein. Oui. Oui, mais nous avions pensé à quelque chose de plus nerveux. Oui. Non, 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 laisse-moi, c'est moi. Nous avions pensé à quelque chose de plus nerveux. Ah, bah alors, je vois ce qu'il vous faut, alors, un char sport décapotable. Oui. Ah, bah, j'ai ça, un vrai bijou, hein. Oui. C'est un BH. Ah. Mais alors, attention, hein. Mais comme ça, hein, comme on dit chez vous. Oh, 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 oh. Et voilà, la merveille. Bah, avec ça, vous ferez les conquêtes, Romain. C'est un BH. Un quoi? Un bénur, carrosserie entièrement en bois. Enfin, en bois, pas tout à fait sec d'ailleurs, parce que c'est un véhicule qui est à peine rodé. Il appartenait à une matrone qui s'en servait toutes les îles pour aller au cirque. Examinez, examinez, examinez. Ah oui, il est bien. C'est dedans. Vous êtes un connaisseur, vous, on ne vous roule pas. Hein. Vous voyez la suspension, elle est fournie par Oléo Pneumatics. Ouais. Et puis les freins sont à Nix. Ouais. Eh oh, regardez comment c'est chaussé, ça. Hein? Et alors, pour ce qui est de la consommation... Oh, vous faites à peine une botte de foin en 10 000 pas, hein. Oh. Vous voyez, une affaire, hop. Ah, vous affolez pas, c'est la marche-pied escamotable, ça. Ça chauffe pas, oui. Dites, on est bien debout. Hein? Comme ça? 35 000 sesterces. Mmh. Et, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. 35 000 sesterces, anciennes, hein, bien sûr. Oh non, c'est un peu... Non, c'est moi. Oh non, 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 non. C'est beaucoup trop cher, tout ça. Non, mais attendez, 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 attendez. Hein? Comme vous êtes des envahisseurs sympathiques, eh ben, le char, allez, allez, hop, je vous le laisse à quoi? Disons, 30 000 sesterces. J'y perds, mais enfin... D'accord? Hein? D'accord! Ah! Ah, dites donc, je vous mets quelques accessoires, hein? Hé, hey, un allume-cigare, hein? Non? Bon, essuie-glace? Non, bon, très bien. Un avertisseur. Hein? Non. Oh. Musique? Lutette, râteau, lutette, la plus belle bon. Ville de... Alors, vous allez vous chercher vos marbres. Oh. Je vais me donner un petit coup de main, là. Oui. Alors, votre marbre gris, votre marbre rose, assurance, et vignette. Attendez. Oh, et ça, qu'est-ce que c'est, ça? La clé de Contax. Ah. Et maintenant, bonne route, hein. Et vous savez, c'est du solide. La preuve, c'est qu'on n'a même pas besoin de garantie. T'as vu, hein? Moi, pour me rouler, il faut se lever de bonne heure. Je croyais qu'il fallait se lever de bonne heure pour te rouler. Mais quoi, c'est pas de ma faute si ce Gaulois est matinal. Thank you.
Excusez-moi, mais mon jeune camarade et moi-même, nous venons d'arriver à Lutèce et nous nous demandions si... Passe ton chemin, Romain. Notre papa nous a interdit de parler aux envahisseurs. Oh, nous sommes des envahisseurs très peu envahissants. Ticket de bus. Prospectus. Légionnaire. Voyez. Bouffil, disque bleu. Gauloise. Ave. Accepteriez-vous de venir prendre un drinks avec nous? Un drinks? Oui, c'est du gaulois. Ah bon? En latin, glace. Nous ne pouvons pas. Nous devons faire des courses. C'est l'anniversaire de notre papa. Oh. Oui, nous allons lui acheter un petit cadeau. Mais nous vous accompagnons. On portera vos petits paquets. Acheter souvent des bibelots comme ça? Oh non, seulement pour les anniversaires de papa. Il fait collection, il est menhir au fil. Hé, mais moi, quoi? Ah, non, c'est toi qui as proposé de porter les petits paquets. Les petits paquets, mais c'est lourd. Alors, Ahuri, tu nous laisses passer? C'est le centurion. Le centurion? Centurion. Ave Centurion. Oh. Ave Centurion. Engagez-vous. Rengagez-vous, qui disait. Bah, patience, ça se tire. Au fait, pourquoi tu t'es engagé, toi? Oh, si je te le disais, tu me croirais pas. Moi, c'est pour voir du pays, moi. Hein? Moi, je voulais voir l'Afrique, le désert, l'Égypte. Puis en Égypte, mon général, il m'aurait dit, ticket de bus, regarde. Où ça, mon général? Là, là-haut, du haut de ces pyramides, 22 siècles vous contemple. Ah, pourquoi 22? 40 moins 18. Ah. Ça fait 22. Moi, c'est mon père qui m'a poussé, il m'a dit, prospectus, être soldat, c'est être libre. Oh. Ouais, c'est pour ça que je me suis engagé. Ave. Merci. Assez. Ave, général. Ave, centurion. Tu as voulu me voir? Oui, général, c'est grave. Très grave même. Nous sommes en pleine décadence. Nos hommes sont en train de s'engauloiser. Je viens même d'en trouver deux qui se promenaient avec un menhir. Un menhir? C'est inadmissible. Oh non. Général. Eh bien oui, quoi. Nous autres légionnaires, on est rudes. Mais on est coquets. Dis donc, Obélix. Ouais. Finalement, je crois que nous finirons par en faire des Romo-Gaulois. Oh mais ils sont fous, ces Romains. Avec la mi-bidule, on ne se quitte point vu qu'on est romain, natif du Janicule, on fasse le palatin. Avec nos petites gauloises, on se promène souvent, on sourit bêtement. On va boire des cervoises, ça nous fait penser le temps. Quand je pense que Beaufiltre et Disque Bleu avaient accepté de sortir avec nous ce soir, tu te rends compte, des gauloises. Oh. Je suis bon. Hein. T'as pas une lime à ongles? Eh. Une lime à ongles. Oh, 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 c'est une lime à ongles, ça. Nous, les légionnaires, on est coquets. Mais on est rudes. Thank you.
Et maintenant, Lutèce Bainard. Entrez, entrez! Pour une amphore d'hydromel, un spectacle sensationnel! Entrez, entrez! Les meilleurs bardes de toute la Gaule! On rigole à l'intérieur! Breton spoken! On rigole, on rigole! Et voici un char de barbare! Entrez au bar, barbare! Entrez au bar! Car ce n'est pas le coup de barre au bar, barbare! On rigole, on rigole! Mais oui, c'est bien ici. Entrez, entrez, on rigole à l'intérieur. Tiens, voilà autre chose. Alors, on y va? Mais oui, on y va. Entrez, entrez, militaire. On rigole à l'intérieur. Hey, vous habitez chez vos ancêtres? Hydromel à la barbare. C'est quoi ça, hydromel à la barbare? Spécialité de la maison. Alors quatre. Oh non, des petits pour nous. Alors nous disons deux barbares et deux babies. On the rocks. On the rocks? Oui, ça vient du gaulois. On the rocks. Qu'est-ce que c'est que ce client? Ah, mes gaillards, je vais vous apprendre à vous évader, moi. Je vais vous laisser vous amuser un petit moment, et puis après, crac, le motif. Je connais quelqu'un qui va coucher en prison ce soir. On rigole à l'intérieur. Je suis jamais entré, moi. Faudra que j'aille un jour. Peut-être qu'on rigole vraiment à l'intérieur. Spectacle sensationnel, applaudi par les meilleurs connaisseurs. Voilà ce que j'ai le plaisir de vous offrir de notre modeste cabaret. Ouais, ouais, des bardes fameux, des danses modernes, la musique que vous aimez, et tout d'abord, celle que vous attendez et qui chante son dernier succès. Wow. Et voici de Phonographix pour les paroles et de Marchand d'X pour la musique. Lutèce sera toujours Lutèce. Ah. Lutèce sera toujours Lutèce, la plus belle ville des Gaules. Lutèce sera toujours Lutèce, mais c'est par ici qu'on rigole. Lutèce sera toujours Lutèce, on y vient depuis les deux pôles pour admirer nos épaules, nos décolletés, nos tresses. Lutèce sera toujours Lutèce. Lutèce sera toujours Lutèce. On y vient depuis les deux pôles pour admirer nos épaules, nos décolletés, nos tresses. Lutèce sera toujours Lutèce. Bravo! C'est des vrais? Ah, pensez-vous, les vrais sont hors de prix. Les fournisseurs ont perdu la tête. C'est du tech. Vous êtes content? Ouais. Dis, être ou ne pas être? Ça veut dire? Je sais pas. Bah, bois donc au lieu de dire des bêtises. Ah, oui. Mesdames, messieurs, Gaulois barbares. Oui. Le numéro du journal déchiré et reconstitué. Oui! Eh bien, je suis têtu, je le ferai quand même. Voilà. Oui, oui, c'est moi, le créateur de ce numéro. Je suis le seul prestidigitateur, l'ancêtre des prestidigitateurs. C'est moi qui l'ai créé, on a toujours vilement copié. Ben, voici un journal très normal, n'est-ce pas, en marbre ordinaire. Eh bien, mon assistant va le casser devant vous. Est-ce que là? Je garde mon casque, quelquefois il rate. Mesdames et messieurs, dans quelques instants,
le journal sera complètement reconstitué. Abracadabrix! Abracadabrax! Un peu de poudre de perlimpinpin. Hop! Et voilà! Ah non, il n'est pas en entier, n'est-ce pas? Vite! Vite, je vous en prie! Et voilà! Allez, on va danser, venez. Oh, non, allez-y, vous. Non, allez. Vous. Aléa, Java, Est. Ivresse, exhibition scandaleuse, parfait, parfait, parfait. Nix parfait, hein? Romain minable. Qu'est-ce que vous racontez, vous, là? J'ai dit Romain minable, décadence. Ah, mais je vous interdis de porter atteinte à la grandeur de Rome. Vous comprenez, je vous interdis. Oh, 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 oh
Obélix, viens voir. Oh, mais ils sont vraiment fous, ces Romains. Je t'ai déjà dit que je voulais pas te voir coiffé comme ça. Tu peux pas avoir les cheveux longs, comme tout le monde. Nous, les jeunes, on veut vivre avec notre temps. Toi, t'es antique, pas. Antique, antique, et tu veux un coup de glace? Oh, 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 du calme, quoi. Ça suffit, tous les deux. Ici, nous ne sommes pas à Gergovie, là. Inspecteur, monsieur, dame. Oh, merci, monsieur Pneumatix. Répaillé, bagarreux, c'est bon pour les ancêtres. Nous, les jeunes, on veut pas que le ciel nous tombe sur la tête. Que je te dise, vous les jeunes, vous êtes plus bêtes que les Romains. Bon, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les Romains? Alésia! Voilà ce qu'ils m'ont fait, les Romains! Mais papa, c'est de l'histoire ancienne, ça. Il y a des Romains qui sont très gentils. C'est une carte postale de l'Avarix. Il est en voyage. Au diable, l'Avarix! Il y a quelqu'un? Il a appelé? Non! Il n'y a personne qui l'a appelé. Mais si, vous pouvez servir, Conchitax. Il peut servir les sangliers? Je vous en prie, Conchitax. C'est ce qu'il y a pensé. Il y a quelqu'un qui l'a appelé. Je t'ai déjà dit de ne pas parler sur ce ton à l'esclave ibérique. Ils sont de plus en plus rares sur le marché du travail. J'ai déjà eu assez de mal à convaincre celle-là de se laisser acheter. Ah non, à quelle époque, hein? Ce sont les esclaves qui commandent maintenant. Ben oui, elles sont déchaînées. Hein? Déchaîné. Bon. Ben où tu vas, toi, dis? T'as rien mangé? Ben je suis en retard, je participe à un monôme pour la paix au quartier latin. Quartier latin? Oh non, moi, rien ne me sera épargné. Ouais. Qui c'est, ces gars-là? C'est un bistrot littéraire ici. Ce sont des écrivains, ils burinent. Celui-ci vient de commencer un roman fleuve, Angélix et Jules César. Ça, c'est un poète alexandrin. Celui-là vient de commencer une pièce de théâtre. Ah. Et pour vous, qu'est-ce que ce sera, monsieur? De Servoise. Et sans faux col. Sans faux col. Faux col?
par Mercure. On se retrouve, mes gaillards. Vous prendrez bien une petite cervoise? Mais vous en donnez, moi, de la cervoise. C'est un café littéraire, ici. Oh, c'est amusant. Là-bas, vous savez ce qu'il fait, celui-là? On m'a laissé sortir de prison. Mais à condition d'aller faire une patrouille chez les druides. Chez les druides? Et je vous cherchais partout pour que vous veniez faire la patrouille avec moi. Oh, non. Ah, mais si. Oh, non. Ah, mais si. Allez, en avant. Arche. Oh, si. Oh, si. Eh bien, les druides, ce sont nos prêtres. Ils sont très puissants. Ils préparent des potions magiques et les Romains ont raison d'avoir peur d'eux. Faut pas les déranger, surtout maintenant. Ils sont réunis dans la forêt pour échanger des nouvelles recettes de potions. C'est pas mal. C'est pas mal, mais vous n'avez encore rien vu. Et alors, c'est pas une belle potion magique, ça? Hein? Et toi, élève de l'X, montre-nous un peu ce que tu nous prépares. Oh, c'est presque prêt, mais il faut que ça mijote un peu. Et puis, il me faudra des volontaires pour y goûter. Alors, vous avancez ou quoi? Vous préférez pas qu'on vous attende ici? C'est les druides ou la prison? Ben nous, on préfère la... Non! Allez, hop! À l'avant! Arche! Je vais vous faire voir comment je vais les dresser, les druides, moi. Ave, druide. Toi et tes pareils êtes des dangers pour la grandeur de Rome. J'ai ordre d'inspecter vos potions. Ne résiste pas ou je fais donner mes hommes. Je cède devant la force. J'aime à te l'entendre dire. Tu veux goûter ce qu'il y a dans la marmite? Je veux goûter ce qu'il y a dans la marmite. Ah, c'est chaud, c'est pas mauvais. Poireaux et oseille. Bien, bien. La soupe est bonne, continuez. Mais que ceci vous serve de leçon. On ne s'oppose pas à la grandeur de Rome. En avant, vous autres. Ce sont de grands enfants. Oh, la potion qui fait rapetisser, ça, c'est une idée. Il avait raison, le centurion. Les druides sont dangereux pour la grandeur de Rome. Élégant, vous allez trop vite. Je peux pas vous suivre. Courage, nous ne sommes plus qu'à... Oh, MDXXX... 1500 pas de la caserne. Oui, mais avec ses petites jambes à lui, à ton avis, ça fait dans les combien de pas, ça? Avec ses petites patounes à lui, ça va faire 25 000, 30 000 pas à tout casser. Eh ben, il en a pour un moment, hein. Si les petits sangliers le mangent pas en route... par pitié, me laissez pas! Un instant, mon petit bonhomme. Vous serez un peu plus aimable avec nous dorénavant. Bonne de première situation, hein. Bon, ben, débrouillez-vous tout seul pour rentrer à Lutèce. Avec vos petites patounes. Mon petit bonhomme. Ah non, 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 je ferai tout ce que vous voudrez. Mais je vous en supplie, m'appelez pas mon petit bonhomme. Allez, viens, petite merde. Les gars, méfiez-vous, le centurion vient de sortir de tôle et il vous cherche. Oh, t'en fais pas, vieux. Le centurion, on se l'est mis dans la poche. In the pocket. Les beaux jours sont revenus. Oui, les beaux jours sont revenus. Une zone de haute pression provenant de Germanie rencontrera une zone de basse pression venant d'Hispanie. On notera quelques pluies au nord d'une ligne Burdigala-Alésia-Gergovie. La température sera bien au-dessus de la normale.
Et ce sera une belle journée pour les sportifs. Gaulois, Gauloises, bonsoir. Heureux de vous retrouver ce soir en espérant que cette semaine encore, le ciel ne vous tombera pas sur la tête. Nous allons vous présenter maintenant quelques images d'un grand match amical, je dis bien amical, de Calebasse, qui a opposé, je consulte mes notes, excusez-moi, les anciens combattants gaulois à une sélection de la Légion romaine. Toutefois, avant que les équipes ne pénètrent sur le terrain, je voudrais vous rappeler, ça n'est pas inutile, les deux règles essentielles du jeu de Calebasse. Première règle, tout est permis. Deuxième règle, les blessés ne sont achevés. Il y a beaucoup d'erreurs sur cet article-là. Je répète, les blessés ne sont achevés que sur la demande expresse du public. Ah, voici l'entrée des équipes sur le terrain. Tout d'abord l'équipe de la CG, follement ovationnée par les supporters qui égalisent les gradins. Et voici les envahisseurs, les visiteurs, follement acclamés elles aussi, toujours fair play use. Le druide arbitre se prépare à donner le signal du coup d'envoi. Attention, et c'est parti! Des tribunes jaillons, rugissements d'enthousiasme, confirmant une fois de plus l'esprit sportif des supporters gaulois. Et c'est la mêlée. Dans les tribunes, c'est du délire. Les Romains réagissent. Et prospectus, ticket de bus, je les confonds toujours, c'est de là. Enfin, c'est ticket de bus qui botte. Ils tentent drop. Et c'est une nouvelle mêlée. Pendant ce temps, dans l'arène, les Gaulois contre-attaquent toute moustache dehors. Mais leur action est contrée, car les Romains viennent de lâcher les lions. Le druide arbitre se précipite, soit expulsé les fauves, allez, dehors, dehors! Temps mort pour remplacer le druide arbitre. Le nouveau druide arbitre sonne la remise en jeu, encore une mêlée. Nous voyons là vraiment un match de grande qualité, digne du tournoi des cinq nations antiques. Mais les Romains se ressaisissent. Sur le visage des joueurs, on voit une mâle résolution. Le druide arbitre sonne la fin du match. Les Gaulois contestent cette phase de jeu. Ils disent qu'il y a eu hors-jeu. Les Romains contestent la contestation et c'est la mêlée. Sur le terrain et dans les tribunes. Alors là, messieurs, permettez-moi de vous tirer mon casque. Et je pense que ce sera également l'opinion des deux grands joueurs romains de Calebasse qui nous ont fait le plaisir de venir ce soir à Sportus Dominicus. J'ai nommé ticket de bus Prospectus. Ah non, c'est le contraire. C'est le contraire. On nous confond toujours. Ah oui, en effet, oui. Alors, Prospectus... Covadis. Ah, Vadim. Mmh. Je dois dire toutefois que dans notre équipe, il y avait des joueurs qui n'étaient peut-être pas tout à fait à leur place, mais enfin, c'est quand même pas mon rôle de critiquer les sélectionneurs. De toute façon, les Gaulois étaient très forts. Oui, les Gaulois étaient très forts, et ce fut une magnifique journée de Calebasse. Un jeu viril, mais correct. N'est-ce pas, Prospectus? Ticket de bus. Ticket de bus, oui. Prospectus, c'est lui, on le confond toujours. Oui. Nous pensons, nous les Romains, bien entraînés par Domenicus, que nous remercions aussi, c'est l'entraîneur. Merci, patron. Que nous, les Romains, nous n'avons pas fait trop mauvaise figure. Allez, la Gaule, Alors, c'est vrai? On va pouvoir la visiter, votre caserne? Oui, il faudra pas faire de bruit pour pas réveiller les copains. Chut! J'hésite, papa serait pas content. Oh, je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire pour des jeunes filles de visiter une caserne de légionnaires la nuit. Voulez qu'on fasse mettre un petit rectangle blanc? Oh, vous n'avez rien à craindre. On est là tous les deux. L'armée, c'est sérieux, vous savez. Jupiter, cette fois, Mulascar, votre compte est bon. Faire entrer des filles à la caserne, ça va vous coûter le falot, cette folie, mes feux follets. Filons-les. Le mot de passe? Imbécile. Avec général, dormez en paix. Mets-toi à droite. Droite. Devant. Arche. Arche. Faillot.
Sortez de la baignoire! Mais je comprends bien, j'aurais pas que vous puissiez. Sortez d'ici! Bon, d'accord. Bon, là, c'est le faillot. Là, il n'y a personne. Là, c'est le général. Là, c'est le baigneur. Allez, sortez tous, je sais bien que vous êtes là-dedans! C'est tout? Oui, la troisième des curés est de patrouille en ville. Ah. Bon, c'est bon, retournez vous coucher. Tire au flanc, hein? Non, les gaietés de l'escadron, mon lieutenant. Ça barbouille un peu. On change de sens. Bon, allez, prêt? Partez! Bon, le plus simple, c'est de reprendre dès le début. Un, le faillot. Avant, Hicks, brûle pas de combat. Silence. Repos. Là, il n'y a personne. Là, c'est le général. Ah. Ah, je vous tiens, mes fripouilles. Sortez-moi de la carte. Mais mon général, avez, c'est une erreur, c'est une regrettable erreur. Non, c'est-à-dire que... Qu'est-ce donc, centurion? Et quel est ce tapage? Oh, je peux tout vous expliquer. Voilà. Avez. Ah, mes gaillards. Vous allez avoir affaire au général. À vous, rang fixe. Silence, imbécile. 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 Au lieu de tout le temps répéter le mot de passe, expliquez-vous, centurion. Eh ben. Mais l'explication, la voici. Lâchez ces jeunes filles, espèce de voyous. Vous n'avez pas honte d'amener ces pauvres petites dans vos sales cadernes? Mais dites donc comment vous êtes rentrés, vous? Et j'ai traité la sentinelle d'imbécile, je suis entré! Ah, bah vous aviez le mot de passe! Comment ça, le mot de passe? Quel mot de passe? Ah, c'est bah pas oui, vous le mot de passe! Je vais faire que vous parlez! Parce que moi, je suis un de l'honnête! C'est papa! Oh, nous le connaissons! Mais on a joué ensemble! Enfin! Pourrais-je avoir une explication? Eh bien voilà! Mon général! Silence! Monsieur demoiselle, vous voulez visiter la caserne? Ah, oui, et comme c'est notre dernier jour d'armée, on s'est dit... dernier jour d'armée? Oui, oui, nous terminons aujourd'hui. Oui, mais on va rester en Gaule. Ah, quand le papa aura fini sa conversation avec le centurion... Eh bien, nous lui demanderons les mains de ses filles. Une chacun. Tout cela est charmant, n'est-ce pas, centurion? Charmant, général. Un bon fixe! Thank you.
Alors Antoine, tu l'as appris ta leçon d'histoire ? Jamais je n'ai entendu autant de stupidité. Je vous assure, monsieur l'inspecteur. Enfin, je ne comprends pas. Mais enfin, mon petit bonhomme, j'aimerais savoir qui t'a appris toutes ces bêtises. Qui ? Les responsables, les voilà. Les auteurs, René Goscinny et Albert Uderzo. Les comédiens, Roger Pierre, Jean-Marc Thibault et Jean-Yann. Viviane Schiffre et Anne Sand. Anne-Marie Carrière, Jacques Linouette, Françoise Camplan, Monique Saintet. Maurice Birot, Bernard Lavalette, Pierre Mondy, Pierre Tornade. Robert Beauvais, Roger Coudert, Pierre Dac, Max Favalelli, Jean Bélanger, Pierre Doris, Max Eloi, Moustache et Franval, Bernard Montgourdin, Éric Vasberg, Nono Zamit, Albert Dinan, Philippe Dumas, Alain Franco, Gilles Grossac, Yann Larvor, Patrick Préjean, Jean Solar, Bernard Wenzel, les voix de Roger Carrel et de Jacques Morel, musique d'André Pop, couplet de Jean Marsan, chorégraphie de Barbara Pierce, bagarre réglée par Claude Carliez. Décor de Willy Holt, assisté de Bernard Arnoux. Création de costumes, Monique Plotin. Ensemblier, Jean-Claude Josquin. Directeur de la photographie, Nicolas Ayer. Caméraman, Maurice Venier. Prise de son, Michel Lemoine. Mixage, Claude Gilson. Sonorité particulière, Bernard Parmigiani. Montage, Jacques Brialy, assisté d'Anne Chalut. Photo, Georges Galmiche. Animation, Gramma et Rano. Inscriptions et belles lettres, Émile Aguilet, accessoiriste, Serge David. Assistant, Omer Protopapas et Pierre Merle, Script Girl, Michel Moisilléon.